Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Alors allons donc saluer nos invités. Non, je t'en prie, arrête. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Quelles sont vos intentions ? La question de merde. Mais vous êtes isolés, encerclés. Qu'allez-vous faire ? Ah oui, eh ben c'est celui qui dit qu'il est. Toujours son premier recours. C'est impensable, je n'ai jamais vu ça. L'air glacial est suspendu entre lui et moi. C'est totalement fou ! Mais c'est vrai ! C'est tout simplement fantastique. Je suis fier de toi. Non, tu crois, franchement. Tu diriges ce groupe, mais il ne t'écoute pas. De même que l'eau gèle à 0 degré centigrade et que toute substance voit son activité atomique ralentie à une certaine température. Oui, d'accord, je vois. Alors, comprends-tu maintenant ? Tant que je serai protégé par cette armure, tu ne pourras jamais me vaincre. Abandonne tout de suite, toutes ces souffrances sont inutiles. Quoi ? Alors là, c'est trop fort ! Tant pis. Je ne peux plus rien y faire. Il a choisi lui-même sa fin. Ton destin va s'accomplir, chevalier. Tu ressembles plus à ta mère que tu ne le crois. Je regrette que tu vas avoir la mort que tu souhaites. Tes pouvoirs auraient dû t'indiquer mes intentions. Je rêve. En projetant cette boule de nos deux énergies concentrées, il est parvenu à atteindre le zéro absolu. Le moment est venu. Je vais te faire disparaître à tout jamais. Tu as eu une chance insensée, mais l'exécution de l'Aurore aura raison de toi. Voyons ça. C'est inutile. L'exécution de l'Aurore est ma technique de combat secrète la mieux gardée. Il m'a fallu des années pour l'acquérir. C'est du sarcasme. Chevalier, tu auras été mon plus redoutable adversaire. Adieu. Pas encore. Mais... Bravo. Je n'aurais jamais cru ça possible. Tu es plus mort que vivant. Et pourtant, tu as réussi à maîtriser l'exécution de l'Aurore et... Ne sois pas trop dur avec toi-même, et... La cosmo-énergie a surpassé en puissance la mienne. Oui, c'est vrai qu'on aime les titres prestigieux dans ta famille. Et la seule explication possible d'un tel miracle, c'est que tu croyais à la justice de ta cause, chevalier. Fanfaronner ne te sied guère. Bravo, vous êtes très fort. Oui, c'est fort probable. Bien, c'était très drôle.